Tony Parker, faut-il encore le présenter? Quatre fois champion NBA, six fois All-Star, champion d'Europe avec l'équipe de France. Retraité depuis un an, tout juste. Tony, président de l'ASVEL, aujourd'hui, ton rapport avec le tennis? Bah moi, je suis un grand fan de tennis, hein. Depuis tout jeune, j'ai toujours joué pendant les vacances quand les saisons de basket étaient terminées. Et c'est vrai que pendant le confinement, maintenant que je suis retraité, bah je jouais 5 fois par semaine. J'ai pris un et c'est vrai que maintenant je chambre mes amis du tennis pour essayer de peut-être faire une apparition à Roland dans le tournoi des célébrités. On sait jamais. Quand justement tu étais jeune, tu t'étais déjà fixé l'objectif de devenir joueur NBA et d'avoir la carrière que tu as eue aujourd'hui, maintenant. Ouais, bien sûr. Moi, ça a commencé très très tôt. À 9 ans, je voyais la Dream Team pour la première fois, et donc c'est vrai que ça m'a motivé. Mon père était basketteur, donc ça, c'est sûr que ça aide, parce qu'il m'a beaucoup aidé au niveau mental en fait. Parce que pour moi, il y a une grosse différence entre voilà ceux qui veulent être bons et ceux qui veulent être des grands joueurs, marquer leur histoire. Et j'avais un objectif très précis, c'était d'arriver en NBA, et il y avait rien d'autre qui pourrait m'empêcher d'arriver à atteindre voilà cet objectif. Et donc c'est vrai que ça commence tôt, hein. Et à 14 ans, j'intègre l'INSEP. Et on va dire que de 9 ans à 14 ans, c'était un rêve. Et à partir de 14 ans, c'était devenu un objectif et une obsession. J'ai vu que tu parlais souvent du travail invisible, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, enfin, de manière un peu plus précise, comment tu le travailles et en fait, ce que ça veut vraiment dire, quoi? Pour moi, quand tu es jeune, surtout quand tu as ton âge, c'est les sacrifices qu'il faut faire. Je pense que des fois, les jeunes d'aujourd'hui, ils se concentrent que sur le résultat ou quand on lève le trophée et ils oublient tout ce qui se passe avant, en fait, et le process qu'il faut pour en arriver là. Quand je fais des camps de basket, ça me dérange toujours quand les jeunes, leur première question, c'est ça fait quoi d'être connu? Ou ça fait quoi d'avoir de l'argent, d'être riche? J'ai jamais joué au basket pour ça. Moi, j'étais passionné et je voulais être le meilleur. Je voulais être le meilleur joueur, le meilleur meneur du monde. C'était ça, ce que je voulais faire. Et donc, il faut savoir pourquoi aussi tu joues au tennis et être sûr que on va dire, tes objectifs, tu joues pour les bonnes raisons. Et donc, quand tu joues pour les bonnes raisons, bah, tu n'as pas l'impression que tu fais des sacrifices. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu et que tu as envie de nous donner aujourd'hui? C'est un mot en anglais au basket, dire delete. Delete comme un ordinateur, delete chaque action, chaque tir loupé. Si tu fais une mauvaise action, delete. Toujours te concentrer sur la prochaine action. Moi, c'est un des conseils que j'ai le plus utilisé parce que quand moi je jouais, quand j'avais votre âge, je voulais tellement être parfait. Et en tant que meneur de jeu, tu veux faire à chaque fois la bonne action, t'sais, la bonne passe, le bon tir. Mais c'est impossible de jouer parfaitement. C'est juste impossible. Et le plus important, c'est de le faire au bon moment, quand les moments ils sont chauds. Et je pense que pour le tennis, c'est super important d'essayer d'avoir cette mentalité-là parce que c'est impossible de jouer le match parfait, de faire les coups parfaits tout le match. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et si tu perds un set, bah, c'est pas grave, tu peux toujours revenir. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Vous n'avez pas fini de m'entendre dans le tennis, hein, parce que j'ai déjà commencé à investir. Je peux pas trop en parler, mais les trois qui sont là, c'est clair qu'ils me verront. Mais ce sera avec plaisir. Mais On en plutôt dans la reparlera, région de Lyon. on en reparlera, on en reparlera, Marie. On en reparlera. Ah, Merci. Merci, Ben, travaillez bien tous. merci à vous.